Il s'agit de l'histoire d'un jeune garçon qui, à la suite d'un accident de voiture, devient tétraplégique, qui va sortir du coma, faire tout un travail pour réussir à communiquer avec son entourage, essayer de trouver une manière de vivre comme ça, enfermé dans son corps. Alors il y a donc Amédée, qui est un garçon de 20 ans, qui passe sa journée à perdre du temps avec ses copains, qui voudrait coucher avec sa copine, qui elle refuse, qui habite chez sa mère, qui joue aux jeux vidéo tout le temps, et qui va donc être victime de cet accident. Il y a sa petite amie, Julie, qui est voilà, une fille sans histoire, et qui va très très mal supporter son accident. Il y a sa mère, qui est un personnage aussi fondamental, et il va y avoir un espèce de combat entre la mère et la jeune fille, lorsqu'il va demander à mourir. Il y a le capitaine des pompiers qui va le sortir de sa voiture après l'accident et qui va être ému par quelques bulles qui sont sur sa bouche. Après l'accident, il y a l'administrateur de l'hôpital, le docteur, il y a finalement toute une population qui va tourner autour de lui et qui va avoir des vies, qui vont, enfin tous ces personnages vont avoir des vies bouleversées à la fois par lui, puis par sa demande. C'est un défi un peu de théâtre, comment est-ce qu'on raconte un personnage qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas, qui ne bouge pas. J'aurais pu trouver peut-être, chercher un langage poétique, il fallait trouver un décalage. L'idée c'était de trouver un décalage par le théâtre, c'est-à-dire d'essayer d'imaginer ce parcours intérieur à travers des situations avec un personnage imaginaire, alors qui est peut-être l'incarnation de ce à quoi elle se confronte. C'est une espèce de fenêtre ouverte qui s'ouvre pour l'imaginaire des spectateurs. Et bon, alors ça traite de la solitude, la perte de la virilité, des joies aussi de faire un mouvement, de réussir à faire un mouvement du pouce et de commencer à pouvoir communiquer. Comment cette question, depuis 20 ans, est devenue un point de crispation très important, qui a des implications sociales très fortes. Qu'est-ce que ça veut dire dans un monde qui est de plus en plus tourné vers la rentabilité? Comment est-ce que la société protège les plus vulnérables? Le plateau est très divisé et il montre avec des prismes différents, une même réalité qui se raconte de plein de manières différentes, à travers le personnage imaginaire, à travers un élément, parfois même, je crois qu'il y a quatre ou cinq lieux, cinq codes différents sur le plateau. Finalement, à l'inverse de ce que ça raconte l'immobilité avec beaucoup de mouvement et beaucoup de vie. C'est un spectacle très, très dynamique, très monté, très ciselé. Ça avance très très vite. Je crois qu'on est à la fois complètement dans le récit d'un récit qui défile, qui avance, et en même temps complètement dans l'émotion et dans des questions. Moi, je pense qu'il y a de la matière pour réfléchir et pour être ému.